Ah, Jesus. Dès que tu es connecté, mets des cœurs. Je vais être très rapide. Comme je le dis, je vais être rapide, chap, chap. Je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui sont un peu... Les gens sont un peu... Bon, en fait, pourquoi les gens jugent par l'apparence, par exemple? Aujourd'hui, là, je vois que je prends du poids. Mon médecin me dit, fais un régime. Mon médecin me dit, fais un régime. Mon médecin me dit, arrête de manger trop gras. Arrête de faire ceci, parce que ça peut te donner du cholestérol, de l'hypertension ou de quoi. En Europe, il y a des gens qui font tout pour maigrir. En Europe, il y a des femmes qui font tout pour maigrir. Il y a des hommes qui font tout pour perdre du poids. Il y a même des thés qui existent. Des thés qui existent que tu bois. Et puis tu manges peut-être un repas par jour, ça te fait maigrir, ça te fait aller beaucoup à la selle, et puis tu perds du poids. Mais les Africains sont tellement, la plupart, bêtes dans leur cerveau, que pour eux, là, il faut que tu sois gros comme un porc, pour qu'ils sachent, qu'ils se disent que tu es en bonne santé. Donc, ils voient quelqu'un, peut-être qu'il a fait carême, peut-être qu'il a jeûné. Peut-être que la personne a pris un temps pour faire un bon régime pour avoir sa santé. Ils sont là. Comment dirais-je? Oh, Soro est malade. Soro est malade. Toi, tu es son médecin pour savoir s'il est malade. Tu es de sa famille. Tu es sa femme. Tu es son frère. Il est venu te dire qu'il est malade. Donc, si quand quelqu'un est maigre, il est malade. Regardez la photo de Ndiadraman Ao. Regardez la photo de Ndiadraman Ao quand il était en exil. Lui, c'est pas maladie, hein, c'est folie. Lui, il avait folie. Ses cheveux partaient en l'air dans tous les sens. Ses cheveux, il y a un cheveu qui est parti ici, boum. Il y a un autre qui est parti, boum. Et puis, il est devenu chaud, boum. Et puis, c'était devenu rouge, rouge, jaune, jaune, bizarre. Et puis, son visage était sale. André, il se lavait avec du sable. Il était en exil. Comparez les deux photos là, ça y est là. Il y a la photo de Sorom et puis il y a la photo de Ao. Donc arrêtez d'être bête. Arrêtez de parler inutilement. Oh, Soro est malade. Soro est malade. Qu'est-ce qu'il peut faire? Soro est malade. Les Ivoiriens là, ils ont bouche, mais ils n'ont pas de cerveau. La plupart d'Ivoiriens, ils ont la bouche, c'est-à-dire qu'ils parlent bêtement, mais ils ne réfléchissent même pas deux fois, trois fois avant de parler. Moi qui suis là, là aujourd'hui, il y a des années de cela, je n'avais pas la forme que j'ai aujourd'hui. Si je décide de faire un vrai régime, de me priver de beaucoup de choses, mais écoutez, je maigris, c'est fini. Donc quand tu vas me voir, tu vas dire, oh, il est malade. Oh, il est malade parce qu'il a maigri. En 2023, là, vous jugez la santé des gens parce qu'il est, il est, bon, Soro qui est malade, là. Il est malade, il est venu vous faire une vidéo, un direct pour vous dire qu'il arrive à Abidjan. Il est malade, là. Il était au Niger, il était, bon. S'il est malade, il arrive au moins à se déplacer. Moi, le problème, c'est la peur qui est dans votre ventre. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez peur. Depuis que Soro est sorti là, que Soro a dit j'arrive, vous ne vous attendez même pas à ça. C'est-à-dire que vous avez cru que Soro là, il va courir, il va se cacher 24 heures sur 24 tout le temps. Il est sorti pour vous dire j'arrive, que moi je rentre dans mon... Vous avez peur.
Vous avez peur. Vous ne savez pas de quelle manière il va venir, quand il va venir, comment il va venir, pourquoi il va venir, avec quoi il va venir, avec qui il va venir. Ça vous fait tellement peur. Vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez raconter. Oh, il ne peut rien faire, il a maigri. Oh, il ne peut rien faire, il a maigri. Mais Alassane Drama Ouattara, Ao, a sauté clôture. Quand il a sauté clôture, il est parti sans tapette. Il a oublié toutes ses affaires à Abidjan. Quand il est parti en France, là, regardez sa tête. Il y avait cheveux un ici, cheveux deux là-bas, dans tous les sens. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Il y a une petite coupure, c'est comme ça. Ça va revenir. Voilà. Et vous voyez? Donc, le problème, vous êtes là. Soro, Soro, Soro est ceci, Soro est parti là, Soro est mince, Soro est mince, il est mince où? Il est mince, il t'a demandé de lui envoyer à manger, il va grossir. Depuis qu'il est en exil, Alassane a coupé tout. Est-ce qu'il ne mange pas? C'est Alassane qui paye son loyer où il est, c'est Alassane qui le nourrit. C'est la peur dans votre ventre, la peur vous fait trembler. Quand les gens ont peur, là, ils racontent des bêtises. Vous ne dormez plus, vous avez peur. Mais est-ce que Soro, il a dit qu'il vient vous faire quelque chose? Il dit qu'il veut rentrer dans son pays, c'est tout ce qu'il vous a dit. Et puis vous êtes là, vous tremblez seulement. Vous tremblez, vous tremblez, vous tremblez, vous tremblez, vous tremblez, vous tremblez. Soro ceci, Soro cela, Soro ceci, Soro cela. Ibrahim Issiaka Sylla. Je suis français de nationalité. Et ivoirien. Je suis ivoirio-français. Donc, tu vois ce que je vais dire, non? Donc, quand tu parles de pays, tu es bête. Je suis ivoirien-français. Donc, la gloire, le bonheur que je vis là, tu ne peux jamais vivre ça avant de mourir. Monsieur Ibrahim Issiaka Sylla, merci beaucoup. Donc, arrêtez d'avoir peur, de trembler, de chier dans vos caleçons pour nous emmerder que Soro est malade. Vous n'êtes pas médecin. Vous n'êtes pas docteur. Il ne vous a pas dit je suis malade. Il est malade. Oh. Il n'est pas malade. Oh. Il a maigri. Oh. Il n'a pas maigri. Oh. Il arrive. C'est tout ce qu'on sait. Il est venu vous dire, vous me cherchez, vous me poursuivez, j'en ai marre de courir. J'arrive. C'est tout. Le problème, c'est ça. Il dit, c'est tout. J'arrive. Ça là, vous voulez ou vous ne voulez pas. Oh. Actuellement, quand vous marchez, vous regardez derrière vous. Actuellement, quand vous quand même votre ombre, ça vous fait peur. Dans la nuit, vous vous réveillez. Hé, Soro est où? Il est à côté de la fenêtre. Vous tremblez. Ça veut dire que quand vous passez dans le noir, vous vous demandez si Soro vous accompagne. La peur dans votre ventre, la peur est dans votre cerveau. La peur est dans votre ventre. Vous avez peur, 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 peur. Donc vous ne savez pas, oh, Soro peut faire quoi? Soro, il a maigri. Soro peut faire quoi? Soro, il a maigri. Soro, il a fait ceci. Oh, toi là, je vais te bloquer. Comme je te laisse sur le direct là, c'est pourquoi tu racontes ça ta vie là. Allez, hop, dégage. Tu n'es pas important. Voilà. Je l'ai bloqué. Bah, il y a des gens, il ne faut pas les donner d'importance. Voilà, je l'ai bloqué. Il ne pourra plus laisser commentaire ici. Donc, Soro fait quoi? Soro a maigri. Soro a fait ceci. Et ça, ce n'est pas notre... Vous avez peur. Tout le monde entier sait que vous avez peur. Si vous n'avez pas peur, taisez-vous. Si vous n'avez pas peur, dormez tranquille. Arrêtez de jacasser par des communiqués, des réseaux sociaux. Ouais, vous... Quelqu'un qui est venu vous dire j'arrive, il vous a prouvé qu'il n'a plus peur de vous qu'il arrive. Mais c'est vous qui tremblez maintenant. Oh, il a maigri. Il a maigri, est-ce que c'est notre problème? S'il veut, il n'a qu'à faire 2 kilos. Si Soro veut, il n'a qu'à peser 2 kilos, 3 kilos. 1 kilo même. Il n'a qu'à maigrir, on dirait, ouintin, moustique. Il n'a qu'à devenir comme Giacomani. On s'en fout. Il n'a qu'à devenir comme... Hein, je ne sais pas comment je vais dire, brindis de balais. Nous, on s'en fout de ça. Ce qu'on sait, il dit qu'il arrive. Ce qu'on sait, il dit, vous me poursuivez, comme je ne veux plus courir là, moi-même, je rentre au pays.
C'est quoi qui est... Il a maigri, il n'a pas... C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est tout ce que vous dites. Oh, vraiment, ce moteur de truc-là, excusez-moi. Comme je me suis retiré dans une petite... Je me suis retiré dans une petite campagne pour prendre un petit moment là. Voilà. Ils ont un petit souci là. Donc, ils ont pris un groupe en ce moment. C'est ça. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, il y a un petit souci. Je me suis retiré dans une campagne. Je suis venu prendre un petit, une petite soirée pour prier pour une de mes filles pour un problème très urgent. Donc, voilà. Donc, vous voyez, le problème, c'est quoi? Laissez le monsieur tranquille. Il dit, j'arrive. Ça veut dire que quand il a poursuivi quelqu'un jusqu'à la personne s'arrête, il dit, oh, j'arrive. C'est moi, vous cherchez, j'arrive. Voilà le problème. Mais si tu es garçon, dis-lui, oui, viens, je suis là, je t'attends. Vous, vous êtes là, déjà, Ao a fui. Ao est parti se cacher à Paris. Par exemple, quand c'est chaud, là, c'est toujours en France, il est. Il va sucer les tétons du monsieur, là, du petit guinguin, là. Il va sucer son téton en France. Hein? Maintenant, la fiole, lui, il est en train de mobiliser, de recruter des gens pour essayer de se défendre ou je sais pas quoi. Contre qui? Quelqu'un vous a dit, je rentre dans mon pays. Vous me poursuivez, j'arrive. Bon, dormez tranquille. Vous le cherchez, il dit, il arrive. Maintenant, c'est, oh, il a maigri. Oh, il a maigri. Oh, il a maigri. Qu'est-ce qu'on s'en tape de ce qu'il a maigri? Qu'est-ce qu'on s'en bat le couille? Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il a maigri? S'il veut qu'il maigrisse, s'il veut qu'il grossisse, c'est pas notre problème. Et puis, c'est pas parce que quelqu'un a maigri qu'il est malade. Et puis, d'ailleurs, même s'il est malade même, où est notre problème? Ao n'a pas bouche penchée. Ao n'est pas malade. Ao là, votre Ao là, est-ce qu'on le branche pas? Pourquoi il porte tout le temps boubou? C'est parce qu'il est branché de tous les côtés. Ao est branché de tous les côtés. Il se promène à un moteur dans boubou là. Il y a un moteur qui l'aide à respirer. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de ça? Donc, entre celui qui a moteur, qui l'aide à respirer, celui qui n'arrive pas à respirer tant qu'on ne l'a pas branché, chaque soir, on charge la batterie de son moteur. La journée, il prend et puis il va rigoler comme s'il est vivant. Alors que c'est un mort vivant qui se promène. Et puis celui qui a maigri. Ao. Ao n'est pas vivant. C'est un mort vivant qui se promène. Nous tous, on est au courant. Il est tombé plusieurs fois, il s'est levé. Les Indiens sont venus donner un moteur. Le cœur qu'il a là, c'est un cœur artificiel. C'est branché. On est au courant de ça. Vous croyez que quoi? C'est un mort vivant. Il va recharger ça à chaque fois. Il prend l'argent du pays pour se soigner, pour rester en vie. Ça vous fait mal, hein? Vous mettez tête de mort maintenant. Vous croyez que c'est vous seul qui avez mal. Donc, votre président même là, c'est un mort vivant. Il est branché. Il y a un moteur qui est là, qui le fait respirer. Donc, si on veut parler de quelqu'un qui est malade, c'est lui. Bon, entre lui et puis quelqu'un qui a maigri, où est le problème? Je préfère celui qui a maigri que celui qui a un moteur qu'on recharge de temps en temps. Donc, si vous voulez rentrer dans ce domaine que quelqu'un est malade, celui même que vous adorez là, c'est un mort vivant. Lui, il est déjà mort. C'est un moteur artificiel. Branchage sur branchage. Branchage, quand il finit de sortir en public, il rentre dans sa chambre, on pompe le moteur. C'est un cœur artificiel. C'est sans des autres personnes, on met dans son corps et puis il vit. Il n'est pas vivant, c'est pas sa propre forme. Quelqu'un qui est vieux aujourd'hui, tu crois qu'il va mourir, demain il est jeune. Et tous les sangs qu'on ramasse partout, qu'on lui donne, sang des bébés, sang d'abinos, sang des femmes en 7 ans, il y a trop de sang dans son corps. Donc, tu le vois aujourd'hui, tu dis, vieux là, il va mourir. Hein. Il est demain, tu vois, il est devenu jeune, hein. On dirait un bébé. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on n'est pas au courant? Vous croyez qu'on n'est pas au courant que ce monsieur est ranimé tout le temps? Que le sang qui circule dans son corps, c'est pas son sang? Que le cœur qu'il a, c'est un cœur artificiel? Qu'on fait tout pour le maintenir en vie, pour faire croire qu'il est en forme? Quelqu'un qu'on pousse pour qu'il se démarre. Vous venez nous faire dire, Soro est malade, Soro a maigri. D'ailleurs, Soro est en exil. Il est en exil.
quand tu réfléchis beaucoup, quand tu penses, quand tu peux maigrir, ça, on s'en fout de ça. S'il veut, il n'a qu'à maigrir. Mais ce n'est pas parce qu'on a maigri qu'on ne peut pas reprendre du poids demain. On peut maigrir aujourd'hui et puis demain prendre du poids. Vous avez un ministre de je ne sais pas c'est quoi, à jeunesse ou quoi là. Il était mince avant, de coucroubiti, tatatapra. Maintenant, quand vous regardez son visage, vous regardez son visage. Ça. Donc, tout ce que vous savez dire, c'est venir insulter les gens. Tu es bête. Et puis, je vais m'adresser un peu à ceux qui disent, oh, ça là, c'est pas un pasteur, ça là, c'est pas un bishop, ça là, c'est pas un prophète. Je m'en fous de vous. C'est pas vous qui m'avez consacré. Le Dieu qui m'a consacré là, il est toujours en accord. C'est lui qui me donne les révélations jusqu'à actuellement. Et puis, Élie a combattu Achab. Moïse a combattu Élisée. Moïse a combattu Pharaon, pardon. Moïse a combattu Pharaon. Élie a combattu Achab. David était roi. Roi, c'est président de la République. Il était prophète, roi, mais il combattait, il faisait la guerre. Samson était ouin, mais il tuait les ennemis du peuple d'Israël. Gédéon, c'est Dieu qui l'a ouin pour aller défendre le peuple. Vous voyez, Dieu là, quand on l'adore là, on reste dans la justice. Il y a des gens qui ont servi Dieu, comme le roi David, le prophète Élie. Même Abraham, même, il a fait la guerre. Pourtant, il était le père de la foi. Non, oh, celui-là, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un bishop. Qu'est-ce que toi, tu en sais de la parole de Dieu? Parce que vous aimez les bishops et les prophètes qui portent cravate pour aller voler l'argent à la présidence, pour venir raconter des bêtises, pour sucer vos culs, sucer vos fesses, et puis prendre des enveloppes, et puis laisser le peuple mourir. Voilà, ok, toi tu n'es pas un bon pasteur, toi tu n'es pas, mais je m'en fous, est-ce que c'est vous qui me qualifiez, onction qui est en moi là, c'est vous qui me donnez, si je ne suis pas pasteur, viens devant moi, viens t'imposer la main, tu vas manger du sable, viens crier sur toi, si tes démons là n'ont pas crié pour s'enfuir, c'est là que tu vas savoir si je suis pasteur ou pas. Donc, Dieu merci, j'ai des enfants spirituels. Dieu merci, il y a des gens pour qui je prie, qui reçoivent des miracles. Dieu merci, il y a des gens qui rendent témoignage de mon ministère. Sinon, depuis là, j'avais plus servi Dieu. Donc, vous, votre jugement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre. J'en ai rien, je m'en tape. Que tu crois que je suis pasteur, que tu crois que je suis bishop, que tu ne crois pas. Prends-moi comme un vagabond, un fou, un malade, tout ce que tu veux. Mais je sais que ma vérité vous fait mal. Même Alassane Ouattara est abonné à ma page Facebook. Votre gouvernement est abonné à ma page Facebook. Tous ceux, vous tous là, vous êtes abonnés. Vous venez quand même regarder, me commenter. Ils sont abonnés, ils ont peur de ma bouche. Donc, à partir du moment où vous avez peur de ma bouche, vous, je sais que vous reconnaissez que je suis loin de Dieu. Donc, tous les commentaires que vous laissez pour injurier, moi, je m'en bats les couilles. Voilà. Je ne réponds même plus à ça. Je m'en fous. C'est votre temps. Vous perdez pour laisser des commentaires. Ça ne m'empêche pas de dire mes vérités, de vivre ma vie tranquillement. Voilà. Donc, Jésus, ça fait pitié. Jésus, même là, il a parlé contre Hérode. C'est un Dieu de justice. Jean-Baptiste a dénoncé les fausses choses. Élie le prophète a combattu un roi qui s'appelle Achab et sa femme Jézabel. Les vrais oints de Dieu là, ils n'aiment pas l'injustice. Les faux hommes de Dieu prennent les enveloppes et puis ferment leur gueule. Donc, moi c'est pas mon problème. Hein. J'ai dit, ce roi a maigri. Ce roi n'a pas maigri. Il y a des gens qui l'aiment. Ce roi a maigri. Soro n'a pas maigri, il vous a dit qu'il arrive à Abidjan. Soro a maigri, Soro n'a pas maigri, vous avez peur. Actuellement, la peur dans votre camp. Vous parlez pour croire que vous allez effrayer les gens. Que Soro ne fasse pas. Nous, on va faire ceci. Est-ce que Soro vous a dit qu'il vient faire la guerre? Il vous a dit qu'il vient faire coup d'état? Il vous a dit qu'il vient pour faire quelque chose? Il a seulement dit qu'il vient dans son pays. Pourquoi vous tremblez? Vous tremblez pourquoi? Dormez tranquille. N'ayez pas peur. Maintenant, tous ceux qui disent, oh, Soro peut rien, si Soro peut rien. Moi, je vais vous rappeler une chose, puis M.E.T.R. Alassane Dramane Ouattara a pris escalier. C'est-à-dire, il a pris, comment on appelle, échelle. Il a sauté clôture. Il a sauté clôture. Donc, Soro n'est pas la première personne à fuir dans ce pays. Alassane Ouattara a fui. Quand il a sauté, il est parti là. Regardez sa photo, il était misérable.
Et puis, il a dit, je reviendrai, je rendrai ce pays. La France l'a aidé. Aujourd'hui, il est là. Vous qui dites aussi que Soro a tué. Soro a tué pour qui? Il a tué pour Alassane Ouattara. Soro s'est battu pour qui? Il s'est battu pour Alassane Ouattara. Donc, si Soro Diom est criminel, c'est que celui qui est au pouvoir est plus que criminel que lui, parce que c'est pour lui que ces gens-là sont allés se battre. Donc, si tu ne peux pas juger Alassane Ouattara, tu ne peux pas juger Soro Diom. J'en ai fini avec vous. C'était pour vous dire que Soro n'est pas malade. Il est en très bonne santé. Il est en très, très bonne santé. On dirait que Satan est contre moi aujourd'hui, là. Les Guinaourou. Ça va revenir. Heureusement que ce n'est pas le wifi que j'ai pris. Il est en très bonne santé. Vous voyez, depuis qu'il était là, l'électricité ne faisait pas ça. C'est quand il commençait le direct, là, ça a commencé. Ça prouve que les gens, là, les Guinaourou, là, ils essayent, là, mais je suis trop fort pour eux. Donc, Soro est en très, très bonne santé. Il est en très, très, très bonne santé. C'est vous qui perdez votre temps. Effrayez-vous doucement. Effrayez-vous doucement. Effrayez-vous doucement. Il y a un qui dit, tu crois, Bishop, t'es sûr d'avoir été consacré par Dieu? Oui. Mais toi qui parles là, tu es un violeur de femme. Tu es un alcoolique, violeur de femme. Et puis, tu es un féticheur. Je vais, comme tu dis, je ne suis pas consacré, je vais parler de ta vie. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu couches avec les femmes bêtement. Toi qui parles là. Tu es un féticheur. C'est toi qui as pris la route pour rentrer en brousse, pour aller chercher fétiche. Ça ne t'a rien donné. Actuellement, tu es un pauvre misérable. L'argent ne reste pas dans ta main. Tu es un pauvre, tu es un malheureux. Tu cherches à t'en sortir. Quand tu demandes que je suis consacré, si tu n'étais pas consacré là, tu n'allais même pas venir m'écouter ici. J'étais déjà mort. C'est parce que je suis consacré, je suis assis là, puis je te parle encore. Parce que les ennemis aigris comme toi là, j'en ai des milliers qui poursuivent ma vie. C'est parce que je suis consacré que vous ne pouvez rien contre moi. Tu as compris un peu? Donc, répands-toi et convertis-toi. Je suis consacré, c'est pourquoi je n'aime pas le mensonge. J'aime pas l'injustice. Et puis, je ne peux pas laisser un assassin qui règne sur un pays mettre des fils du pays en prison, en exil, et se faire appeler Dieu. J'ai un seul Dieu. Donc, toi qui as laissé ce message-là, répands-toi et convertis-toi. Voilà. Et puis, sache que il y a des imams qui l'ont soutenu. Est-ce que ce n'est pas des hommes de Dieu? Il y a des pasteurs qui soutiennent quand on tue les gens. Vous les appelez des hommes de Dieu. Je suis l'unique. Voilà. Je suis l'unique. Que toi, est-ce que tu es consacré? Si je ne suis pas consacré, tu veux, je vais te laisser un défi. Tu veux que je te montre que je suis loin? Tu as entendu parler de la bouche autorisée, c'est moi. Si tu veux, je vais te montrer si je suis consacré. Je vais déclarer quelque chose sur toi. Et si je déclare que ça ne s'accomplit pas, tu sauras que je ne suis pas consacré. Fais attention à toi. Ma bouche là, faut avoir peur de ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Soro n'est pas malade. Soro arrive. Point. Il va vous rejoindre, il va rentrer dans son pays, il va se poser. Et il n'y a personne qui peut l'arrêter.